Septembre 2016, la première rentrée des classes pour l'Open Source School, une école dédiée au logiciel libre et à l'initiative de Smile, intégrateur de solutions open source, et de l'école d'ingénieurs Lepsi. De nombreux éminents partenaires se sont évidemment associés et ont soutenu aussi le lancement de cette école, à l'image du Conseil national du logiciel libre, le CNLL. Et pour en parler, deux invités, Jennifer Châtelet, manager de l'Open Source School, bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Philippe Montargès, coprésident du CNLL et président directeur général d'Alterway. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Jennifer, tout d'abord, quel bilan tirez-vous de ce premier trimestre de l'école? Le bulletin est bon? Bah écoutez, oui, on est très très content de ce premier trimestre. Donc c'est notre première rentrée à l'Open Source School. On a la chance d'avoir ouvert quatre campus, un à Paris, à Lille, à Lyon et à Montpellier. On a une petite dizaine d'étudiants dans chaque campus. Voilà, nos étudiants parisiens se promènent là dans les allées du salon. Et ouais, on est très contents, ils sont tous très motivés, ils ont trouvé leur alternance en entreprise. Donc très bon premier trimestre. Tableau d'honneur. Comment s'organise le programme de l'école? Alors, l'école, en fait, de façon globale, a trois grandes activités. Donc, la partie formation initiale, donc sur laquelle on va prendre des jeunes en post-bac plus 2, les accompagner en 3 ans vers un bac plus 5. La partie formation continue, donc là c'est toute la partie de formation qui va s'adresser aux professionnels de l'informatique et on va accompagner de grandes entreprises, des organisations, des ministères publics pour développer les compétences de leurs collaborateurs sur les technos open source. Et il y a un dernier volet qui est la reconversion où là on crée des dispositifs avec Pôle emploi pour accompagner des demandeurs d'emploi sur de la reconversion, bien sûr sur les métiers de l'informatique open source. Métier de l'informatique, reconversion, j'imagine que c'était important pour vous, Philippe Montargès, de vous associer à l'Open Source School avec le CNLL. Oui, tout à fait Vincent, c'était important pour le CNLL, mais surtout pour toutes les entreprises d'open source en France. On a publié ce matin un petit sondage express auprès de nos adhérents, nos membres, et il en ressort que les besoins en recrutement sont très forts pour 2017. Des besoins en recrutement très spécialisés autour des développeurs front-end, back-end, full stack, DevOps, aussi pour les métiers de la data, aussi pour les métiers du digital en général, plus les ASR. Il y a une très grosse attente. On a plus de 1000 postes à créer, à pourvoir, entre guillemets, en 2017. Et face à cette demande forte, il y avait depuis plusieurs années un manque fort en termes de cursus de formation orientés open source. Alors déjà, actuellement, on sait que les entreprises recrutent à moitié des jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur traditionnel, les écoles d'ingénieurs, les universités. 50% de plus en plus s'orientent vers d'autres cursus. Et je pense que l'Open Source School s'inscrit parfaitement dans une démarche de formation initiale, mais aussi continue, qui permet de faire évoluer ce paradigme. Donc effectivement, on est très intéressé par cette démarche, on y contribue, les entreprises d'Open Source y contribuent, des acteurs comme Sensio Live, autour de Smile, Alterway, Red Hat, beaucoup d'acteurs qui sont derrière cette école, et qui veulent faire en sorte que ce soit une réussite. Ce qui nous intéresse d'autant plus, c'est que dans les cursus en cours, on a des cursus de développeurs, et c'est des cursus où on peut faire passer en mode alternance des profils de bac plus 3 à bac plus 5, à master, sur un cursus de 3 ans, c'est ça, Jennifer. Et donc, c'est très très intéressant d'aller sur cette démarche-là, et on est vraiment à fond derrière cette initiative. D'ailleurs, le CNLL est un partenaire présent et effectif de l'Open Source School. Alors on aime bien toujours se comparer en France avec nos voisins européens. On est en retard en France sur la formation, sur ses besoins en formation par rapport à nos voisins européens? Non, on est en retard, oui, pas spécialement. Je pense qu'en France on a un bon système éducatif. Le sujet est qu'il y a une croissance qui est forte. Il y a un bon cursus globalement. On est en retard en termes de formation open source. L'open source se développe à une vitesse énorme. Ça implante un peu partout dans toutes les métiers, toutes les innovations majeures, le cloud, la mobilité, l'IoT, l'embarqué, le web, partout il y a de l'open source maintenant. Et donc partout, je dirais volontairement ou involontairement, les gens vont faire appel à des besoins de personnes qui sont formées autour de l'open source. Mais il n'y a pas de cursus adapté pour faire en sorte que des jeunes étudiants puissent travailler en open source. Parce que l'open source, il faut le savoir, et c'est ça aussi qui est bien dans l'esprit de l'open source school, et on a veillé à ça aussi avec l'Open Source School, c'est pas uniquement apprendre une technologie, c'est pas apprendre un métier d'informaticien ou un métier du web,
mais c'est apprendre aussi à travailler en mode open source. Et le travail en mode open source, c'est ça qui fait la différence. C'est le contributif, c'est le collaboratif, c'est l'intelligence collective. Oui. Très bien. Jennifer Châtelet, que pouvons-nous finalement souhaiter à l'Open Source School et peut-être d'autres antennes régionales, si j'ai bien lu ? Oui, tout à fait. Donc nous, on a une ambition de continuer à se développer sur le territoire français, ouvrir d'autres campus pour la formation initiale, peut-être à Bordeaux, peut-être à Nantes l'année prochaine. Et voilà, continuer les promotions qui sont déjà existantes. On souhaite aussi, on a la volonté de remettre sur le marché du travail un maximum de demandeurs d'emploi. Ça, c'est vraiment un souhait, une ambition qu'on veut concrétiser encore plus en 2017. Accompagner, aider les grandes organisations qui nous font confiance, des Orange, des Sociétés Générales, le ministère de l'Éducation nationale, continuer à travailler avec eux pour diffuser l'open source au sein de ces organisations. Et puis peut-être nous souhaiter la visite de Madame la Ministre bientôt nos locaux. Elle en a exactement parlé, on en est ravis. Très bien. Et un lien en tout cas si vous êtes intéressé par cette école pour aller plus loin, www.opensourcecool.fr. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau. Merci. Du Paris Open Source Summit. Merci à vous.